Alors, bonsoir, monsieur Mangian. Bonsoir, mon cher frère. Voilà, là le son est bon. Alors, vous patientez d'abord, je vais demander aux nombreuses personnes qui nous suivent actuellement. J'aimerais savoir si le son est bon. Si Ouais, le son. de mon côté, Voilà. c'est bon. Je vous entends parfaitement bien. Ok. Est-ce que vous qui nous suivez, est-ce que vous entendez aussi de votre côté la voix de Mangian ainsi que la mienne? Dites-moi justement, faites-moi justement un signe. Je veux savoir si le son est bon de votre côté, vous qui nous suivez. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Si le son est bon, dites-moi oui. Si le son est bon, je veux voir un oui, je veux voir un voilà. On nous dit que le son est bon. Alors, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir la population guinéenne, bonsoir peuple de Guinée, bonsoir à ces nombreuses personnes qui nous suivent matin, midi, soir. Et au fait, j'ai pas eu le temps de vous informer que je devais aujourd'hui avoir Monsieur Mangian parce que ça a été quelque chose qui a été, qui s'est programmé à l'improviste. Voilà, on dit le son excellent. Donc et justement, ce soir, j'ai eu notre frère, notre compatriote, M. Mangian, qui n'est plus à présenter. Et donc, je lui ai proposé, vous savez, ici, tout le monde est occupé. Et par rapport à l'actualité guinéenne, voilà, le cas de la rencontre de M. Alpha Condé et Mamadou Sylla et sa bande, l'opposition de leur côté. En plus, nous allons parler de l'arrestation, du kidnapping, de l'emprisonnement du doyen Amadou Djoulde Diallo, le journaliste. Et puis nous allons essayer de faire une étude comparative entre les propos, le pourquoi le journaliste a été arrêté et les propos de quelques éléments de la mouvance aussi, pour voir si la justice fait son travail ou si effectivement il y a deux poids, deux mesures, comme on dit chez nous. Donc, pour ce faire, je vais laisser la parole à notre frère, M. Mangian Sidibé. Et en amont, je vais essayer de vous montrer quelques images et quelques propos, n'est-ce pas, de quelques éléments de la mouvance, quelques communicants de la mouvance. Et nous allons aussi, je vais essayer aussi de vous montrer la vidéo, OK, les propos du journaliste, le doyen Amadou Djouldé, le pourquoi il a été arrêté. Et on va essayer de voir quels sont les propos les plus graves. OK, pourquoi on a arrêté le doyen et pourquoi on n'arrête pas les autres? Donc, pour ce faire, je vais rapidement laisser la parole à notre frère, M. Mangian. Voilà. Donc, M. Mangian, vous avez la parole, s'il vous plaît. Voilà, merci Monsieur Kanté, merci à tous vos millions d'auditeurs. Je vous dis tous grand merci et bonsoir où que vous soyez. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la libération de notre patrie parce que peut-être que nous nous sommes affranchis du joug colonial, mais aujourd'hui nous sommes dans une autre forme de colonisation avec Monsieur Alpha Condé, où toutes Exactement. les libertés fondamentales des Guinéens sont désormais confisquées. Compromise, plus personne n'a droit à la parole, plus personne n'a droit de mouvement. Quand vous voyez aujourd'hui que M. Sélou Délin est bloqué en Guinée, alors que c'est le président légalement élu par les Guinéens, et donc son épouse a été bloquée également, nos responsables sont emprisonnés, plus de 300 de nos militants sont emprisonnés injustement, et donc je me dis qu'aujourd'hui tous les Guinéens doivent conjuguer le même verbe au même temps, et se lever comme un seul doigt, parce que ce qui se passe aujourd'hui est gravissime. Je n'ai jamais vu ça encore au 21e siècle dans un pays normal. Monsieur Alpha Condé, aujourd'hui, vous voyez qu'il a fini de réduire presque la quasi-totalité des opposants au silence. Les gens pensent que ce sont des gens, ben, ils sont pas justes, ben, ou bien ce sont des personnes qui ne sont pas correctes avec le parti, tout ça. Ce n'est pas ça. Vous parlez tout simplement, vous répondez à une question, même d'un journaliste, vous vous retrouvez le lendemain en prison. Plus personne n'a droit à la parole. La liberté d'expression, elle est complètement foulée au sol avec M. Alpha Condé. La liberté de mouvement également, la liberté de presse également. Les journalistes, bon, moi je n'en veux pas trop à nos confrères, mais la plupart d'entre eux maintenant sont devenus alimentaires. Ils passent tout leur temps à passer dans les bureaux.
Ben, de toute façon, on peut tout dire sur le compte de Mangian Sidibé, mais on ne vous dira jamais que lorsque j'étais à la Radio Planète ou bien lorsque j'étais au journal indépendant, que je passais mon temps à passer dans les bureaux des ministres, ceci, cela, ou bien avant mon émission, ou bien après mon émission, je viens voir un ministre pour dire, bon, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. J'étais vraiment indépendant, j'étais très libre par rapport à choses, mais je sais que si j'étais en Guinée aujourd'hui, je serais arrêté, ça c'est clair et net. Soit je change de méthode de travail, soit on me met aux arrêts. Là, Alpha Condé, de 2013 et maintenant là, c'est vrai qu'au moment où moi j'ai quitté la Guinée, c'était grave, mais maintenant là, je ne sais pas quelle est l'expression que vous allez me prêter, mais ce n'est plus le terme grave qu'on peut utiliser. On est sincèrement, on a atteint, c'est-à-dire, je ne sais plus hein, quel est le mot que toi tu vas me prêter ici pour dire que M. Alpha Condé a atteint un seuil. C'est-à-dire, ce n'est plus possible. On ne peut même plus décrire le comportement de M. Alpha Condé. Et avec ça, il se plaît à ricaner à la télé, partout. Ben, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Et tous les Guinéens croisent les bras par rapport à ça. Ben, je me dois de dire aussi à nos parents malinké, je suis malinké 100%. Personne ne peut se réclamer aujourd'hui d'être plus malinké que moi. Je suis malinké. Tout le monde connaît mes parents à Kouroussa, à Kamati Madia. Je suis né à Kouroussa. J'ai grandi à Kouroussa. J'ai étudié à Kouroussa, même à m'entendre parler malinké, on sait que mon malinké est rigide. Alors, je parle le malinké du village. Donc, je suis fier d'être malinké. Mes parents, on les connaît à Kouroussa. Mon papa vit, ma maman vit. Tout le monde les connaît. Ils sont pas cachés. Mes grands-pères, leur tombeau, sont à Kouroussa. Tout le monde peut passer dans mon village pour les voir. Que M. Alpha Condé nous dise aujourd'hui où sont les tombeaux de ses parents. Il n'y en a pas. Donc, je suis fier de vous dire que je connais bien la Guinée. Je suis guinéen à part entière, toute ma lignée est guinéenne, je ne connais que la Guinée. De ce point de vue-là, il faudrait que nos parents malinkés comprennent que moi je n'ai rien contre l'ethnie malinké, pas du tout. Ouais. Je revendique d'être malinké, d'accord, mais je ne suis pas pour l'injustice. Ouais. Je ne suis pas pour l'ethnocentrisme. Il faut que nous soyons corrects, il faut que nous soyons véridiques, il faut que nous soyons justes, il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Il faut que nous soyons cohérents, chers parents malinké. Il faut arrêter de soutenir M. Alpha Condé parce qu'il ne fait pas honneur à notre ethnie. Il ne fait pas honneur à la Guinée. Il ne fait honneur à aucun Guinéen, M. Alpha Condé. C'est une calamité pour la Guinée. M. Alpha Condé est une honte nationale. Il faudrait qu'on le dise. Parce que nos parents doivent savoir que dans la vie là, c'est comme les roues d'un véhicule. Ça tourne, hein? Exactement. Ça tourne. Aujourd'hui, on rentre dans une sorte d'hypocrisie en disant « Oh, il ne faut pas prononcer le mot ethnie, il ne faut pas renoncer le mot peul, il ne faut pas prononcer ceci. » Tout le monde sait qu'on est dans une gouvernance basée sur l'ethnie, c'est l'ethnostratégie. Tout le monde le sait. Mais nous baillons aujourd'hui, dès que tu dis ça, à cause de l'unité nationale, il y a quelle unité aujourd'hui? Il n'y a pas d'unité. Il faut avoir le courage de le dire, il n'y a pas d'unité. On est en train de massacrer une ethnie et tout le monde passe, dès que tu parles de ça, oh non, non, tu vas exacerber le conflit ethnique, tu vas exacerber la tension dans le pays. Mais il faut appeler le mal par son nom. Exactement. Il faut appeler le mal par son nom. Oui. La preuve a été donnée par M. Alpha Condé hier, ou je ne sais quand, que pour les malinkés actuellement, c'est l'impunité totale qui est garantie. Exactement. La preuve est que dans ma ville natale, à Kouroussa, il y a des gens qui ont lynché, qui ont brûlé vifs là-bas, des présumés voleurs. Aujourd'hui, je les connais, c'est des amis, c'est des promotionnaires, ils se promènent à Kouroussa là-bas, on ne les a jamais inquiétés. Ouais. Un présumé voleur de moto a été lynché, brûlé vif à Sigiri. Ouais. Les auteurs se promènent aujourd'hui, ils ne sont pas inquiétés. Ouais. Ousmane Gawal qui a dit que quand un président ment, il skine, lui, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Exactement. Alors que quand on ment, il n'y a pas un autre mot, tu as menti. Monsieur Alpha Condé est un menteur et c'est un menteur. C'est ce que je ne sais. Moi, je ne vois pas l'expression que vous allez me prêter. Exactement. Mais je ne sais pas. C'est un menteur. Bien sûr. C'est un menteur, c'est un dealer. C'est un dribbleur. Ouais. Il ne fait que des promesses. Et nos parents se plaisent dans ça. J'ai vraiment pitié des communicants du RPG. Ouais. J'en ai vraiment pitié parce que j'ai été communicant de ce parti. Et je sais que M. Alpha Condé, il utilise tout le monde. Et je sais aujourd'hui, si c'était à refaire, mon frère m'a dit qu'il a présenté des excuses à ce sanguinaire, il ne va pas le refaire. J'avais dit que je ne voudrais pas que la suite des événements me donne raison pour ne pas que
mon frère soit condamné, mais aujourd'hui, Malik, il me donne raison. Ouais. Monsieur Alpha Condé n'est pas quelqu'un avec qui il faut négocier. Exactement. Il ne faut rien négocier avec Monsieur Alpha Condé parce qu'il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Mm-hmm. Alors, je suis en train de faire la comparaison. Oui. On dit que monsieur, le doyen Amadou Gulde Diallo a dit sur les ondes de Lynx FM que monsieur Alpha Condé est en train d'exterminer l'ethnie Peul. Exactement. Et qu'il a fermé les frontières pour faire mal au Peul. Mm-hmm. Bah, c'est vrai, on peut lui dire on peut dire qu'il a été excessif. D'accord. Mais mettez-vous à la place, mettez-vous dans la peau de monsieur Amadou Gulde. Ouais. Les justices flagrantes que subit son ethnie. Personne ne peut dire qu'il n'aime pas son ethnie. Ça, c'est faux. Ben, il ne faut pas qu'on se leurre. Personne ne déteste son ethnie. On n'a pas choisi d'être né Malinké, ni Soussou, ni Peul. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi aussi son ethnie. Ouais. Ben, voilà. Donc, on ne peut pas reprocher à M. Amadou Gulde d'aimer son ethnie. Bien, c'est pas possible. Ouais. Ben, il suffit de se mettre à sa place pour être révolté. Ouais. M. Amadou Gulde Diallo a dit que ce sont les Peuls qui sont 99% commerçants en Guinée. Ouais. Lorsqu'on ferme la frontière, ils ont des fruits dans les camions. Ils ont des marchandises périssables dans les camions. Mm-hmm. Mais pourquoi les gens veulent être hypocrites pour cacher la vérité, pour dire que la fermeture des frontières, ce n'est pas pour faire mal aux Peuls? Parce que c'est eux qui sont quasiment les commerçants de la Guinée. Exactement. Ben, il faut appeler les choses par leur nom. Mmh. Et on a vu comment il ferme les magasins de sans loi et qu'on sort par-ci, par-là. Comment il est acharné. Regardez aujourd'hui, aujourd'hui, les directeurs des impôts étaient réunis avant-hier et hier à Conakry. Quand vous voyez les montants qui ont été assignés aux différents chefs de section des impôts, 4 milliards par-ci, 7 milliards par-là, alors que les redevances minières doivent être versées directement par les sociétés minières sur le compte du trésor public. Donc, la différence doit être payée par les pauvres commerçants. 80% de ces commerçants, c'est qui? C'est pas les peu? Oui, bien sûr. Alors, donc, les fiscalistes disent que trop d'impôts tue l'impôt. Ouais. Trop d'impôts tue l'impôt. Mmh. Alors, Alpha est en train de tuer l'impôt, croyant qu'il est en train de tenter de tuer les commerçants peuls. Il se fait du mal, il se met le doigt dans l'œil pour rien. Donc, monsieur Alpha, Amadou Gulde a dit que on est en train d'exterminer les peuls. Mais aujourd'hui, sur les 300 et quelques personnes assassinées lors des manifestations politiques, dites-moi, il y a combien de Condé dedans? Dites-moi, il y a combien de Traoré? Dites-moi, il y a combien de Cissé dedans? Ouais. Dites-moi, il y a combien de Bangoura? Combien de Souma? Mm-hmm. Il ne faut pas qu'on cache la vérité. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. La vérité, elle est là. Monsieur Mandian, ce n'est pas pour vous couper la parole. Justement, et à cause de ces propos, on a arrêté le doyen journaliste Amadou Gulde Diallo. Il a été emprisonné pour ça. Et je me dis, OK, on dit que c'est un journaliste, c'est une personne, c'est une grande personnalité en République de Guinée, c'est quelqu'un qui a écouté, il a parlé à travers une radio de la place, voilà, il est censé être un exemple. Mais moi, je me dis, j'ai écouté les propos de quelqu'un que Alpha Condé a reçu. Je me dis que toute personne qu'Alpha Condé reçoit à Sékou Touré ou n'importe quel lieu de la République doit être exemple de tout reproche. Toute personne que Alpha Condé reçoit, moi je me dis que cette personne ne peut pas être qualifiée de fou. Alors, j'ai écouté la vidéo de quelqu'un, d'un communicant du RPG, si je peux me permettre comme ça. Mais moi je me dis, cette personne-là, on doit l'arrêter et emprisonner. Je vais vous faire écouter rapidement, en un mot, quelques minutes, les propos de ce monsieur. Voilà. Attendez, je vais écoutez bien. Voilà. C'est ce monsieur. Mm-hmm.
Voilà. Et quand même, ma canère avant est là. Foula foula c'est le fait. L'agne c'est le dans le fait. Foula fait. A te fratea. Femme fait c'est le dans le fait. A te brûlé. N'a le prédit à côté de la bon, pardon. Attendez. Ce que vous dites, l'on t'a fait vous le fait. Vous vous capsulez des bandits mina dans le cadet. Falidé. Fait de vous le fait. Moi, je suis le dans le supporté. A te fratea. Bien la nîne dit. Juste un instant. Exactement. C'est la partie là que je voudrais que bon, vous entendiez. Je vais traduire un peu pour nos frères qui ne comprennent pas Malinké. Je ne vais pas traduire textuellement, je ne vais pas traduire littéralement parce que je ne peux pas insulter comme lui le fait. Mais de toute façon, il a grossièrement insulté la maman du président élu de la République, M. Seydou Dalein Diallo. Il a grossièrement insulté les parents de tout Malinké qui supporterait ou qui serait du côté de M. Seydou Dalein Diallo, mais avec une grossièreté extrême. Moi, je ne peux pas me permettre de le dire ici, je me respecte, mais avec une grossièreté extrême. Donc, tout Malinké qui serait du bord de l'UFDG ou de M. Seydou Dalein Diallo. Tout peul militant, les peuls qui sont avec Alpha Condé excluent ceci. C'est ce qu'il a dit, hein. Mais les peuls qui sont avec Seydou, pas tous les peuls, les peuls qui sont avec Seydou, la grossièreté, elle est extrême, je ne peux pas la répéter. Il dit, en dernier mot, que les Malinkés n'ont qu'à se lever partout en Côte Guinée où il y a un seul peuple, il faut les exterminer. C'est le mot exterminer qu'il a utilisé en Malinké. Hein? Alors qu'on en veut à Amadouri, j'ai compris pourquoi tu tenais à faire passer la vidéo. Je te donne raison maintenant. Parce qu'ils ont utilisé les mêmes termes. Et voilà. Alors la différence est grande. La différence est grande. Oui. Quand M. Amadou Gulde Diallo dit que M. Alpha Condé est en train d'exterminer les peurs, lui, il ne fait qu'accuser. Exactement. Mais cet autre incite à la révolte. À la révolte. Il dit exterminer tous les peurs. Qui se trouvent. Les mots, l'expression est la même, mais les contextes et les sens diffèrent. Exactement. L'un interprète les actes de M. Alpha Condé, parce que moi je ne l'appelle pas président, il n'est pas président pour moi. Mon seul et unique président, c'est Seydou Dalein. L'autre, en invitant les Malinkés à la révolte et à l'extermination d'un membre d'une autre communauté, la différence est grande. Qui est condamné par la loi guinéenne, c'est écrit noir sur blanc dans la constitution guinéenne. Quiconque tient des propos à caractère xénophobe, ethnique, tribal, doit subir les rigueurs de la loi. Alors ce monsieur, il dit, les Malinkés n'ont qu'à se lever et exterminer tous les peuples qui se trouvent dans les villes Malinkés de la République de Guinée. Et de les exterminer. Utilise le mot, hein. Bien sûr. Tous les Malinkés n'ont qu'à se lever et exterminer tous les peuples qui se trouvent dans les villes malinkées de la République de Guinée. Et c'est ce qu'il fait. Le même monsieur a été reçu par Alpha Condé. Pendant que le journaliste Djulde, le doyen Djulde Diallo, a été arrêté et emprisonné. On veut me faire croire que le monsieur est fou. Ce que moi je pourrais dire, c'est que il faut reconnaître que c'est Alpha Condé lui-même qui est derrière tout ça. Je le connais parfaitement. Je faisais partie de l'équipe de propagande du RPG. Je connais leur stratégie. On dit aujourd'hui qu'il y a la section Caillou du côté de l'UFDG. Parce que tellement que les Malinkés ou bien les RPGistes ont exacerbé l'ethnocentrisme, ils appellent les militants de l'UFDG quand ils veulent critiquer un peu pendant que tu es arrêté là, ils ne veulent pas te nommer, ils disent Kabbalah Filila, parti Kabbalah Filila.
Ça veut dire ceux qui jettent les projectiles. Exactement. Alors qu'il y avait une commission caillou, je faisais partie de tout, hein, au RPG. Ouais. Il y a une commission caillou au RPG, bien sûr, au temps du PUP. Ouais. Il y avait la commission caillou. D'accord. Il y avait la commission propagande. Uh-huh. Et je faisais partie de ça. Uh-huh. Diffuser les fausses informations uh-huh. et puis s'asseoir là. Donc, le RPG aujourd'hui, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je connais leur pratique comme la paume de ma main. Donc, ils ne peuvent rien me dire. Et s'ils veulent, après cette émission, comme je le disais tantôt, s'ils veulent après ça, ils n'ont qu'à aller m'insulter père et mère. Moi, je m'en moque. Je m'en moque. Ça ne me fait ni chaud, ni froid, parce que on ne peut pas critiquer les autres sans que toi aussi, tu n'acceptes les critiques. Exactement. Donc, c'est pour cela quand les gens m'insultent, je ne réponds pas. Mm-hmm. Je prends de la hauteur, je me mets au-dessus. Okay. Donc, je fais semblant comme si je n'ai rien vu. Mm-hmm. Voilà. Donc, je m'en fous. Je prends les critiques. Celles qui sont utiles, je me les approprie. Mais les critiques destructives, ben, je les évite et je ne réponds pas. Je ne rentre pas non plus dans des polémiques avec quelqu'un. Alors, c'est terre à terre. Quelqu'un dit, exterminer telle ethnie. L'autre vous dit, monsieur le président est en train de nous exterminer. Vrai ou faux? Ben, il est en train de le faire. C'est lui qui dit, c'est lui qui incite à la haine, il est libre. L'autre qui a dit que le président est en train de le faire, on le kidnappe et on l'emprisonne. Donc, on l'emprisonne. Et le lendemain, non, le lendemain, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que les gens se mettent à la place de Guldé. Oui. Quand tu vois que tes parents, tes propres parents, qui n'aime pas ses parents? Dites-moi, qui n'aime pas ses parents? Personne. Vous voyez, vos parents sont malmenés, les assassinats sont ciblés, les exactions sont orientées. Mmh. Ben, ça ne peut pas rester quelqu'un indifférent quand on est digne. Même le confrère de l'Ex FM. Même le confrère de l'ex-FM qui voulait le baïonner, qui voulait lui dire « Non, 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 pardon, pardon. » C'est parce qu'ils ont peur. Exactement. Parce qu'ils ont peur d'aller en prison, eux aussi. Ils savent que s'ils ne font pas ça, la loi dit que en matière de presse, lorsque vous avez une personne interviewée qui fait des dérapages, mm-hmm. quand vous estimez qu'il est en train de déraper, votre rôle en tant que modérateur, en tant que journaliste, c'est de lui dire « Non, retirez votre mot, faites ceci, faites cela, pour que toi, tu te protèges contre la prison. » Oui. Mais la personne interviewée peut aller. Mais je ne vois vraiment pas ce que Guldé a dit de faux. Je ne vois pas. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde vit au quotidien. Exactement. Et c'est ce qui se murmure dans les oreilles en Guinée, tout pas. Voilà. Donc, je ne vois pas. On n'a qu'à arrêter Guldé. Mais qu'on arrête tous les autres aussi qui incitent à la violence. Exactement. Et moi, quand j'ai... Les injures publiques et par voie de presse, c'est interdit par la loi. Bien sûr. Ce que le gars là, ce qu'il fait, Oulada, bon, ben, excusez-moi, je ne sais pas si c'est Oulada ou Oulada, ce que je sais, Oulada, c'est une contrée du côté de Dabola là-bas, entre Koussa et Sigiri et Dabola, un tout petit peu aussi entre Dabola et Mamou, il y a une partie là. Donc, c'est une contrée, c'est comme si tu dis Sombori à Fria par exemple, ou bien Kakandé à Boké, c'est la même chose, Oulada, c'est une contrée. Donc, peut-être qu'il est originaire de Oulada. Bon, mais c'est quelqu'un qui l'a dénommé Oulada, ça veut dire chien, bouche de chien. Je traduis quoi. Donc, ouais. Moi je ne sais pas trop. Si c'est Oulada ou Oulada, ben, je ne connais pas trop. De toute façon, ce Oulada, logiquement, il doit se retrouver aujourd'hui au MIF. Parce que ça, c'est un cas de flagrant délit. Et puis, pour des commis et infractions graves, injures publiques. Qu'il est allé plus loin que Malick Sans Frontières. Je suis injure public. Non, Madik, on peut tout reprocher. Madik, quand même. Bien sûr, il dit dans ses propos encore que nous sommes prêts pour la guerre civile. Madik est responsable. Oui. Madik est responsable. Madik a voyagé. Mmh. Madik connaît le monde. Oui. Mais un taré qui est sur place là-bas, il connaît nulle part. Ben, vous voyez, des analphabètes comme ça, c'est pas eux qui sont allés bloquer. Et ils se glorifient de ça. Le cortège du président Sélou à Tokounou. Et puis, il y a des preuves, parce que lui-même, il s'est filmé à cette époque. Non, il a publié la vidéo. Comme je suis venu avec des personnes, pas des personnes normales, mais je suis venu avec des drogués. Dans mon groupe, si tu ne prends pas la drogue, si tu ne te fumes pas du joint, je ne peux pas te prendre. Lui-même, il a avoué. Et il y a des vidéos. Et je me dis, avec ce monsieur pareil-là, mais M. Alpha Condé continue de faire comme si rien n'était. Non, il arrête aujourd'hui. Le lendemain, il reçoit l'autre. Au palais. Alors moi, c'est ce qui me fait mal. C'est une insulte. C'est ce qui me fait mal. C'est une insulte. Oui, bien sûr. C'est une insulte.
Bien sûr. C'est révoltant. C'est révoltant ou bien c'est pas révoltant? Moi, aujourd'hui. C'est plus que révoltant, moi, monsieur. C'est plus que révoltant. Quelqu'un extermine l'ethnie malinké aujourd'hui. Et le lendemain, les personnes qui insultent mon ethnie, qui incitent à la violence contre mon ethnie, est reçue par le président Sélou. Vous croyez que je ne vais pas me fâcher? Ah, bien sûr. Ben, je vais être révolté. Mais je sais que le président Sélou ne le fera pas. Je vais vous faire une petite anecdote que les gens ignorent peut-être. Le président Sélou, il avait initié et fait réaliser le pont sur la Fatala. Le pont sur le Niger entre Kouroussa et Kankan. Le pont, les deux ponts entre Kankan et Sigiri. Il y a eu une délégation de Fouta qui est venue le voir. Et nous aussi, nous avons des fleuves au Fouta. Vous ne vous êtes pas occupé de nous. Regardez, les autres aujourd'hui sont désenclavés. Vous savez ce qu'il a répondu? Non. Il dit, je vous respecte, je vous ai bien compris, j'ai compris le message, mais je ne suis pas ministre du Fouta. Je ne suis pas ministre Peul. Je suis ministre de la République. Ouais. Là, j'ai commencé là où il y avait la priorité. Là où il y avait urgence. Ouais. Je ne vous ai pas oublié. Retournez, soyez convaincus qu'il y a des projets orientés, bien sûr, vers le Fouta. Mais comme je suis ministre de la République, j'ai commencé par les zones prioritaires. Imaginez, vous mettez une telle personne à la tête du pays. Parce que la Fatala, c'est un pays sous-sous. Les trois autres ponts, c'est en Haute-Guinée. Et il a fait le pont sur la Guinée aussi, en Zérékoné, en région forestière. La seule région qui n'a pas été servie par M. Sélou Dalenghialo, c'est le Fouta. Ouais. C'est le Fouta. Ouais. Et vous voulez me dire que ce monsieur, il est ethno? Mais moi, c'est je pas pense que ça, c'est une aberration, en fait. Mais c'est ridicule. On peut ne pas aimer l'homme, mais dire que M. Sélou n'a pas les capacités, n'a pas les qualités intellectuelles, professionnelles, humaines, sociales, pour diriger la Guinée, c'est faux. Non, c'est faux, il y a chez faux. C'est faux. Et archi faux. Quand Sélou dort, ou bien Sélou est mort, son corps, le cadavre de Sélou vaut mieux que Alpha à 30 ans. Il n'y a même pas match, il n'y a pas de Alpha 30 ans d'âge. Sélou mort, il est préférable à Alpha vivant à 30 ans d'âge. Alors, le corps de Sélou. Monsieur Mandian, c'est pas croyable. Exactement. J'aimerais simplement, rapidement, qu'on essaie de faire un briefing aussi sur. Cette opposition qui est opposée à l'opposition, parce que si je me permets de dire comme ça, il y a une opposition fabriquée par Alpha Condé qui est opposée à l'opposition en Guinée. C'est que moi, c'est ma première fois de voir une telle chose dans une république. On dit qu'il y a l'opposition, mais une opposition opposée à l'opposition, alors moi, ça me fait mal. Alors, j'aimerais simplement qu'on parle, qu'on essaye de faire un briefing sur voilà, la rencontre d'Alpha Condé et la bande de Mamadou Sylla. Voilà. Pour moi, qui est aujourd'hui très enchanté de sa position de chef de file de l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je pense que vous avez déjà vu l'image de ce monsieur et d'Alpha Condé et de son discours. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui et par rapport à cela, par rapport à Baouri, les Faya Milimono qui se sont fait enrôler dans cette folie-là? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, moi, je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur sur telle ou telle personne, mais ce que j'essaie... Voilà, ce que je sais, trop parler de ça, c'est donner de l'importance à M. Mamadou Sylla. Mamadou Sylla, pour moi, ben, comme je l'ai écrit sur ma page, c'est son rêve inespéré qui a été réalisé. Mais M. Mamadou Sylla, il est utile à quoi? À quoi d'autre en Guinée? Il est utile à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? On ne peut pas faire de lui un ministre. On ne peut pas faire de lui un directeur. On ne peut pas faire de lui même un chef de quartier. Non. C'est seulement en République de Guinée qu'un homme comme M. Mamadou Sylla peut être appelé chef de file de l'opposition. J'aimerais bien qu'un jour que Mamadou Sylla aille à l'étranger à la rencontre des chefs de file de différents pays d'Afrique là, et on va voir comment est-ce qu'il va s'exprimer. On va me dire que non, ce n'est pas parce que ben, il faut être intellectuel, il faut être ceci. Mais je vous dis tout de suite là-bas d'abord que les qualités intellectuelles priment en matière de politique. Et dès que vous n'êtes pas intellectuel, vous êtes limité. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Vous n'avez pas été à l'école, vous voulez faire la politique.
Mais c'est les autres qui vont t'utiliser. Bien sûr. C'est les autres qui vont t'utiliser. Mm-hmm. Alors, c'est le cas aujourd'hui de Mamadou Sylla. C'est comme ça qu'il a été berné pendant l'autre régime. Bah, c'est le régime aussi qui l'a enrichi. Hein. On ne peut pas dire que le régime aussi l'a appauvri. C'est le régime qui l'a enrichi. Évidemment. Peut-être que c'est M. Alpha Condé qui l'a appauvri, comme il dit que M. Alpha Condé lui donne de l'argent. Mais moi, je ne vois pas. Parce qu'un chef de file de l'opposition qui dit, Monsieur le Président, les élections sont désormais derrière nous, on est là pour vous aider, et nous, nous allons nous opposer autrement. Il prend le slogan même du président, de celui qu'il appelle président, hein, c'est pas mon président à moi, il appelle celui qu'il appelle président, il dit auquel lui il est opposé, il dit, Monsieur le Président, vous vous gouvernez autrement, nous, nous allons nous opposer autrement. Et puis, c'est dans tout ça. C'est ridicule, quoi. Il dit, bon, le président de la République a confirmé mon poste de chef de file de l'opposition, donc plus personne dans ce pays ne pourra dire non. Que... Il dit, je vais le reprendre textuellement, il dit à partir de jeudi, le débat est clos. Ceux qui disaient que je ne suis pas chef de file de l'opposition, ou bien ceux qui contestaient, aujourd'hui le débat est clos. Bah, moi je me dis, est-ce qu'il se dispute cette place-là avec quelqu'un? Est-ce qu'il se dispute la place avec quelqu'un? C'est sûr, il provoque. C'est-à-dire, il fait. Non, on fait des cellules un fonds de commerce. On fait des cellules un fonds de commerce. Mm-hmm. C'est-à-dire, tant qu'il n'implique pas cellules, il ne crée pas la contradiction, ben, il ne peut pas être populaire. Quiconque veut être populaire en Guinée aujourd'hui, ou bien être dans les bonnes grâces de M. Alpha Condé, ben, il faut s'opposer à cellules. Il faut insulter Selou. Il faut insulter l'opposition. Il faut insulter l'UFDG. Il y a quelque chose qui on est mal parti, hein. Mon attention dans cette affaire. Les Baouri et les Faya Milimono, ok, qui ont accepté de travailler avec ce monsieur, avec des ambitions. Et dans leurs ambitions, dans leurs objectifs, ils disaient que nous allons nous battre pour la libération des détenus politiques. Et aujourd'hui, on a vu que ce même chef de file de l'opposition, en la personne de Mamadou Sylla, faire une déclaration en disant que les opposants, c'est-à-dire les détenus politiques qui sont là, le chef de l'État nous a dit qu'ils sont en prison pour des raisons de sécurité intérieure. Donc, ça veut dire tout simplement que cela ne fait plus, la libération de ces détenus politiques ne fait plus partie de leurs objectifs. Est-ce que quelque part, les Baouri, les Fakilimono, ne se sentent pas ridiculisés dans cette affaire? Parce qu'eux, ils disent non, on est là pour la libération des autres, pour la paix en Guinée. Est-ce qu'ils ne se sont pas, est-ce qu'ils sont pas dans cette affaire-là? Bon, M. Fama, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que M. Milimono et M. Baouri, je respecte leur choix. Je respecte leur choix. Et vous voyez, la politique guinéenne maintenant, là, ben, aujourd'hui tu es là, demain tu es là, c'est là. Ben, les gens se font la nomadise politique. Ouais. Alors, Macanera est allé combien de fois, il est revenu combien de fois? Papakoli est allé combien de fois, il est revenu combien de fois? Papakoli a été ministre sous Lansana Conté, il a été tout puissant ministre sous Dadis, il a été ministre sous Sekouba, il est ministre sous Alpha, il est parti dans l'opposition, il est revenu encore. Mais croyez-moi que le jour où ça va changer encore, parce que après Alpha, de toute façon, si ce n'est pas Sénégalais, ça va être l'armée, ça c'est obligatoire. Bien sûr, ça c'est sûr. Alors, donc, la transition qui va être là, vous allez voir encore Papa Kouli cogner aux portes de ces gens-là. Il va taper aux portes des dirigeants de la prochaine transition guinéenne. Alors, si ceci part, quelqu'un est élu, vous verrez encore Papa Kouli ici. Voilà. Donc, c'est comme ça, la politique guinéenne. Les gens, ils sont sans vergogne. Les gens sont sans dignité. On s'en fout de l'honneur et de la dignité. On cherche le petit quotidien. On cherche à se maintenir là. Mais attends, dites-moi, ministre de l'assainissement, entre nous, est-ce que ça, c'est un ministère? C'est créé juste pour qu'il ait le titre ronflant de ministre. Ministre de l'assainissement. Et quand j'entends ministre de l'assainissement, hein, je vois qu'est-ce que ça a changé à Conakry? Les gens d'immondices qui sont à Conakry, les gens qu'est-ce que ça a changé? Par les moustiques un peu partout. Mais il se fait appeler ministre parce qu'il y a un garde-corps, il y a un chauffeur. Maintenant, le matin, voilà, monsieur le ministre, c'est fini, hein? C'est tout. Un portefeuille vide comme ça, là, il se fait appeler ministre. Ministre. Peut-être ce qui reste à Alpha maintenant, c'est de créer hein, le ministère des vendeurs de cacahuètes. Mais quoi? Il y a combien de ministères maintenant? Moi, je ne connais même pas le nombre de ministères, tellement il y en a trop.
Il y en a trop. On n'en a pas besoin. Un petit pays de 12 millions. Hein? Sans compter ceux qui sont mis au garage. Donc, le cas de Faya, le cas de Baouri, moi, je ne voudrais vraiment pas rentrer dedans. Ils ont fait leur choix. Et on verra bien la suite. C'est tout ce que je peux dire. Parce que, on ne sait pas. C'est clair et net. Ils sont partis là-bas pour des besoins. Hein? Alors, donc, aujourd'hui, peut-être que la vie est compliquée pour eux. Ils n'arrivent pas à joindre les bouts. Ben, ils ont fait le choix. Ben, c'est une manière de préparer peut-être leur entrée dans un futur gouvernement de M. Alpha Condé. Parce que ce gouvernement qui est là, ça ne va pas durer. C'est un gouvernement de récompense après la campagne. Dans 5-6 mois, vous allez voir, il va commencer à faire des réaménagements. Ben, d'ici là, nous aussi, on ne va pas croiser les bras. Parce que nous allons continuer toujours à réclamer notre fauteuil. Mais finalement, vous avez vu la Birmanie aujourd'hui. Le peuple est en train de braver. C'est ce qui nous manque, l'union, la solidarité. Bien sûr. Il faut que nous soyons unis. C'est ce qui nous manque en Guinée. C'est ce que je ne cesse de dire. La souffrance n'a pas de couleur. Tout le monde est en train de souffrir en Guinée aujourd'hui. Bien sûr. Ben, les gens qui t'insultent, qui insultent l'opposition, qui m'insultent moi-même, parfois, ils sont là à t'appeler. Pardon, tu peux m'envoyer 100 euros, un petit 100 euros, un petit 200 euros. Mais tu dis que tout va bien. Tout va bien. Tu insultes les deux. C'est ce qui fait mal. Ça fait mal. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Bien sûr, quand je vois des jeunes au Maroc, en Algérie, des jeunes qui supportent Alpha Condé, ils sont en Algérie, ils sont au Maroc, ils sont en Mauritanie, et qui cherchent à venir ici en Europe. Ben, qui cherchent à traverser. Il faut ajouter ça. Qui cherchent à traverser la Méditerranée, à leur risque et péril. Bien sûr. Et tu continues de supporter le même pouvoir que tu as fui en République de Guinée. Je me dis, il faut être fou quand même, il faut être un débile léger pour faire des actions pareilles, sincèrement. Alors, M. Mandian, moi, je vais vous laisser. J'aimerais simplement que vous faites une conclusion de la situation afin qu'on se quitte rapidement, quoi, M. Mandian. Ah oui, ben, je sais pourquoi tu vas quitter. Moi, je vais dire à tes auditeurs, il est pressé de vous quitter. Il est pressé de vous quitter parce qu'il va suivre le ballon du Real de Barcelone. Et Barcelone, vous les cardiaques, ceux qui sont cardiaques supporters de Barcelone, ah ben, je vous le garantis. Ben, dans quelques minutes, on va en parler. On va les cartonner aujourd'hui et nous allons nous repositionner, le Real, nous allons nous repositionner en haut. Ça, c'est clair et net. Barcelone va être battu tout de suite. Tu vas abandonner tes auditeurs. Ah non. Je te trahis tout de suite là. Je te trahis. Tu abandonnes tes auditeurs pour aller suivre un mauvais Barcelone comme ça là. Ah non. Là, ça ne va pas du tout. Là, j'ai dévoilé le secret. un dernier mot sur la situation. Voilà. Alors, grosso modo, c'est que moi je vais dire, il faut que la communauté internationale, que Reporters sans frontières, la Maison des journalistes de Paris, la Fédération internationale des journalistes se lèvent pour que le doyen Dulde soit jugé en tant que journaliste. Parce que s'il est jugé en tant que journaliste, parce qu'il a intervenu dans un média, donc c'est par voie de presse. Même si on lui reproche des propos délictueux, mais il est intervenu par voie de presse. Comme il y a la loi de presse qui encadre les peines contre les journalistes, je souhaiterais que M. Amadou Gulde soit jugé comme journaliste. En ce moment, normalement, il devait même pas avoir de peine d'emprisonnement. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de peine d'emprisonnement pour les journalistes en Guinée. La peine, elle est abolie. Alors donc, la peine, elle peut être maintenant pécuniaire, elle peut être financière, elle peut être chaude, mais il n'y a plus de peine d'emprisonnement pour les journalistes en Guinée. Donc, qu'il soit intervenu comme journaliste ou pas, comme les propos ont été relayés par voie de presse, il va de soi que la loi de presse soit appliquée pour le jugement de M. Amadou Gulde Diallo. Donc, je plaide et je vais me battre ici. Je suis allé déjà vers la Maison des journalistes, je vais aller vers Reporters sans frontières, je vais aller vers toutes les organisations de presse pour que tout le monde mette la pression sur le gouvernement, le faux gouvernement guinéen, la bande de criminels de M. Alpha Condé, pour que notre confrère soit jugé comme journaliste, mais pas comme citoyen simple. Exactement. Parce que si faute il y en a, elle a été commise dans l'exercice de son métier de journaliste ou par voie de presse. Bien évidemment. Qu'on lui applique la loi de presse, là, en ce moment, il n'y aura pas de peine d'emprisonnement. Donc, de l'autre côté, cette opposition, M. Mamadou Sylla n'a qu'à savoir que il n'y a personne qui s'oppose à lui. Personne. Ouais. Parce que nous, M. Seydal, en tout cas, ça, l'affaire de chef de file est derrière lui maintenant. Bien sûr. Ce n'est plus dans ses calculs. Ouais. C'est lui qui est heureux.
C'est lui qui est content. C'est lui qui se croit au paradis. Mm-hmm. En étant chef de file avec 4 députés. Pas députés, hein, mais députés. Des personnes députées. Je sais. Ouais. Ah ben voilà. Alors, donc, si avec 4 députés, lui se glorifie. Dans aucun pays en Afrique, il y a un chef de file avec 4 députés. Le minimum, c'est 10-15. Exactement. Lui, le chef de file avec 4. Vraiment, nous lui souhaitons, hein, bon vent. Bah, mais qu'il sache que personne ne le regarde, que personne n'est là pour lui mettre les bâtons dans les roues, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est un poste qui ne nous intéresse pas. Nous ne sommes plus là maintenant. Mais il ne faut pas redoubler chaque fois sa classe. Mais c'est sûr, il n'a plus besoin de redoubler sa classe. Il doit avancer. Il a déjà avancé. Le peuple l'a investi de sa confiance. Il est président de la République. Même si aujourd'hui son pouvoir est confisqué, mais tôt ou tard, son pouvoir lui sera rendu. Exactement. Rien n'est éternel, hein. Son pouvoir lui sera rendu. Parce que le peuple lui a fait confiance. De Koundara à Lola, de Lola, de Yomou à Boké, en passant par la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, tout le monde lui a fait confiance. Dès le premier tour, avec 53%. Ouais. Même quand c'est 49% encore en 2010. Ça veut dire qu'il a la confiance du peuple de Guinée. Ouais. Voilà. Donc, c'est le plus important. Même ceux qui sont avec M. Alpha Condé aujourd'hui savent que là, M. Alpha Condé, on est rentré dans une dictature opaque. Bien sûr. Tout le monde le sait. Mais les gens, ben, ils protègent leurs petits intérêts égoïstes. Ils se refusent à dire la vérité et à dire que l'unité nationale, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'on est en train de massacrer les membres d'une communauté. Personne ne veut prononcer le mot. On se dit, il faut pas être pyromane. Il n'y a plus pyromane que nous. Il n'y a plus pyromane que Amadou Koundé. Bien sûr. On les reçoit à Sectouréa. Oui, bien sûr. Quand ils insultent les parents des autres, on les reçoit. Bien sûr. Bah, donc, moi, je les laisse la liberté de m'insulter toute la journée aujourd'hui. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Ma mère est habituée à ça. Mon père est habitué à ça. Les Malinké disent que Dibarimanan Kumbima. Quand tu n'as pas fait d'enfant, on ne t'insulte pas. Donc, insultez-moi, je m'en fous. Ce que j'ai dit n'engage que moi et je l'assume. Merci à tout le monde. On insulte toujours les personnes très importantes dans la vie. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous les auditeurs de mon frère et ami Fama Kanté. Soyez nombreux à le suivre. Merci pour tout ce que tu fais, le combat que tu mènes pour la libération de notre pays. Parce que là, on est colonisé. Il faut que nous sortions de cette colonisation de M. Alpha Condé. Merci à tous. Bonsoir à tous. Et sûrement, on te reprendra peut-être samedi sur le même plateau. Tout le plaisir a été pour moi d'être en votre compagnie. Merci et je vous considère.